Il n'y a pas un truc qui cloche? Ah si, j'avoue. Ah mais oui. T'as oublié de mettre ton bonnet. Putain, il est où? C'est mieux comme ça. Deuxième jour, on déjeune tranquillou, puis nous sommes repartis. On vient d'arriver dans le musée Van Gogh. Le Hugo du studio va vous montrer, va vous expliquer tout ce qui s'est passé et voilà. Direction musée Van Gogh où on a pu admirer de magnifiques œuvres sortant du pinceau de Van Gogh. Pour des fans d'art, c'est vraiment un musée très beau, avec plein de couleurs partout, vraiment des œuvres très belles et très importante dans l'histoire de l'art finalement. Mais pour des gens qui n'en sont pas fort intéressés, voilà, on serait pas resté une heure de plus en tout cas. Ça te fait quoi d'être posé sur Amsterdam géant? C'est cool, hein. Quelque chose à dire, Alex? Pense blanc. Ce que Jade, Alexia et moi, on aura surtout retenu, c'est bien évidemment la boutique de souvenirs. Parce que tout simplement, après ça, on eut là bien la classe. Oh my god, on a des kawaii de chez Van Gogh. Monsieur Clément, vous vous en pensez quoi? Donc après petit temps libre où nous avons pu chercher durant quelques heures un Burger King caché en fin fond de la rue, on l'a eu. Il y a plein de monde, c'est magique, c'est magnifique. Sur son perme. Le Burger King, Joey. Encore meilleur que le KFC en plus, hein. J'étais déjà allé au Burger King 3 années auparavant et ce jour-là, c'était encore meilleur. Après le Burger King, nous nous dirigeons vers le bateau mouche qui nous conduira ensuite jusqu'au musée Nemo. Petite balade dans la capitale hollandaise qui nous fit notamment voyager jusqu'à la maison d'Anne Frank. Donc le musée Nemo est un musée de science qui est plus vraiment spécialisé sur les expériences scientifiques avec quelques explications très ludiques, on s'est beaucoup amusé. On est resté quoi, 2 heures dedans? Très amusant, très sympathique, on avait vraiment de quoi s'occuper et c'était pas le genre de musée de science où on peut s'ennuyer quoi. À l'aventure, mon ami.
nous sommes surtout amusés dans la salle dédiée au Kama Sutra. Bien amusé, hein. Ah oui, c'était vraiment un moment qu'on doit partager en famille. Mais rejoins-moi, Joe Gilbert, voyons. Partageons ce genre de moment. Ah oui. Ah non. Voilà, je crois que je vais rester là pour le vlog. Parce que c'est quand même grave kiffant, putain. Oh putain, j'ai failli tomber. Joey Gilbert en bord. Retour à notre gîte qui est très beau sur une fin de journée avec un soleil couchant et une belle nuit. Puis le collège Da Vinci nous invite à aller boire une petite birlouse dans un bar tout près de notre auberge. Merci. Willing. 17 mars, dernier jour, il est 8h20. Au programme aujourd'hui, Volendam, fromagerie. Donc le lendemain matin, on part déjeuner. Maël et Naomi nous réveillent avec un magnifique air de piano. Et la suite, c'est dans la troisième partie. C'était Hugo Knight. Ciao. C'était Joey Gilbert. Bisous. Sur le couille. Ah. Sur le coude.